Ah, c'était vraiment intéressant, ouais, c'est surprenant. Puis c'est amusant de voir cohabiter police, gendarmerie et ministère des Transports. Ouais, t'as vu, hein, ouais, c'est assez folklore quand même. Ouais, c'est sympa. Bon, t'as vu ce que je t'ai amené comme seconde surprise? Ouais. Enfin, comme surprise, parce que la première t'es pas vraiment une surprise. Ouais, mais là tu pouvais pas me faire plus plaisir, tu vois, parce que j'adore cette voiture. Ouais, je t'ai bien renseigné avant, t'inquiète ouais, pas. Ouais, ouais. Ah non, ça c'est. Bah, c'est quand même un beau jouet, quoi, c'est le coup de cœur. Bon, puis c'est la version, c'est la version Cooper S. C'est la version qui va bien, comme on dit dans le milieu. Avec le petit trou pour. Voilà, pour aérer le moteur. Non, non, mais c'est. Ouais, moi j'adore, je craque complètement. Et là, c'est vrai qu'en Cooper S, bah c'est. Tu l'as déjà essayé celle-là ou pas? Alors la Cooper S en tant que telle, non. Les autres, oui, bien sûr, mais pas la Cooper S. Donc t'as essayé la One et la Cooper? Exactement. Donc version 90 et 115 chevaux? Exactement, 90 et 115 chevaux. C'est vrai que bah, elle a pris du poids, la petite mémère, hein, par rapport à l'ancienne qu'elle remplace. Elle a pris du poids, donc 115 chevaux, on va dire que c'est juste. Donc là, il y en a 165, si je dis pas de bêtises. 163, alors? 163, exactement. Alors, ça te rappelle rien comme. 163? Un point commun entre la Volvo et la Mini. Exactement. Exactement la même puissance. Chevaux. On avait un diesel tout à l'heure, une D5. De 163 chevaux et là on va prendre un petit essence. Bah écoute, voilà les clés de la bête. Merci. Donc la ligne, bon, tout le monde la ligne, connaît, ouais, maintenant, la hein, la... On la connaît, maintenant, bon, ouais, bon. C'est vrai que là on a quand même des gens de 17 pouces. C'est une option, hein, ça. Hein. C'est de l'option, ça. C'est une option. Normalement, c'est du 16 pouces. Ça commence bien, mais bon, elles sont superbes. Ouais, elles sont magnifiques. Ça, quand même, là tout de suite, petite ambiance course, quoi. Hein. Ouais, c'est plutôt sympathique. Course, les deux pouces en trop à l'arrière. Ouais, c'est vrai que là pour ça. Une petite signature, s'il vous plaît. John Cooper. Sir John Cooper. Et là pareil on trouve ça, non mais bon, c'est vrai que c'est un charme quoi, on a hâte de rentrer dedans. On y va? Eh ben ouais. Ouais, t'es impatient, je te sens impatient. On va être à l'aise hein, déjà. Alors, il y a un truc justement aussi que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est qu'à l'intérieur, bah on retrouve vraiment le charme de l'ancien modèle, de l'autre Mini, hein, de la Mini Austin quoi. Et ce pare-brise droit quoi. Tout à l'heure on parlait de la Smart et le coup du contour de voir le plan façon un peu réveil matin, c'est. On retrouve quelques petits clins d'œil, ouais, c'est sûr. Ça va pas les flatter. C'est un peu ambiance Smart quand même. Content, mais ouais, c'est surtout ambiance Smart par les plastiques. Ça, là, ça c'est, on va dire, un des gros défauts de la Mini, c'est que c'est un beau jouet, le design est réussi, mais c'est trop plastique. Ah. Ça, à voir comment ça va vieillir. Et puis en termes de place, c'est marrant parce qu'elle a quand même vachement grandi, elle fait quand même 60 cm de plus que la précédente et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de place que ça. Ouais. Ouais. On a gagné un petit peu en confort parce qu'on n'est plus assis à l'équerre carrément au ras du plancher de la voiture, ouais, donc on a un petit peu de rehausse. Mais bon, c'est vrai que ça reste spartiate, mais c'est ça aussi l'esprit. Et puis l'ambiance sport avec le petit repose-pied en alu. Petit repose-pied en alu, du faux métal brossé s'il vous plaît. Ouais, là c'est du vrai par contre. Celui-là c'est du vrai. Celui-là c'est du vrai, ouais. Ah, et puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de plastique. Puis c'est un petit peu décevant parce qu'on aurait préféré du vrai métal brossé. Quoi. Ah ouais. Elle a combien cette voiture? Bah 145 000 francs, hein, une Cooper S quand même. Quand même, ouais. Beau ça jouet, fait 20 000, 25 000 euros, ah ça oui, c'est vrai qu'on est en euros déjà. Ah oui, quoi, oui. Quand même. En euros exactement, je sais pas. On va profiter des petites commandes là. Pratique ou pas ça le. Ça, ouais, c'est sympa, c'est bien. C'est bien et en plus, est-ce qu'on a une montée séquentielle? Ouais. Ouais, ouais. Donc ça va. C'est honnête. Ok, elle braque pas mal, hein. Ouais, un bon rayon de braquage. Ouais, donc cette voiture, en fait, elle a des pneus qui sont capables de rouler à plat. Ah oui, le système Pax. Bah, c'est pas le système Pax, parce que là, c'est pas des Michelin, ce sont des Pirelli. D'accord. Donc, c'est mais un système. Même système mais c'est le même genre ouais, de système, a priori. C'est concurrent du Pax. Avec un indicateur de dégonflage. Indicateur de pression, d'accord. Tu sais, comme sur les. Oui, qu'on a là d'ailleurs. BM, voilà, ouais, c'est là. On appuie ici et ça doit nous afficher la pression quelque part sous le frein à main, en fait. Très visible. Ah, il ouais, est là. Ah, c'est là, ouais. En fait, quand on appuie dessus, ça doit interroger sur la pression du pneu et nous envoyer une info qui doit être. Qui n'est pas là, je sais pas où elle est. Peut-être que ça s'affiche là, ouais, il est là, tu vois, le voyant. On le voit pas, mais il est là en fait. Ah, ouais, d'accord. Et donc ça doit s'allumer en cas de chute de pression. À la base, les pneus d'origine, c'est du 195-55 sur des jantes de 16 pouces, et là, c'est du 205-45 sur des jantes de 17 pouces. Ah ouais, tout de suite, ça annonce la couleur. Quand même. La voiture est toute petite, les roues sont aux quatre coins. On a des grosses jantes de 17 pouces. C'est ouais, ça fait. On en parlait tout à l'heure sur la Volvo, le problème des options, des listes d'options qui sont à rallonge. Mais ça, bon, ça a un défaut parce qu'évidemment, ça augmente considérablement le prix des voitures. Mais ça a aussi un avantage, c'est qu'on achète une voiture de base et après, on la personnalise, on la customise comme on veut en prenant telle telle option, tel ou tel pack. Et ça nous permet de nous faire une voiture personnelle. Avec justement, peut-être ça évite de payer dans le prix quelque chose dont on ne voudrait pas ou qui ne servirait pas. Alors, tu connais un peu l'histoire de la Mini quand même. Bah, ça dépend de quelle histoire tu me parles et dans quel sens, mais. Première. Je suis pas expert en historique moi, hein. Je suis pas là.
Bon, alors, attends, je vais te raconter un petit Raconte-moi peu. Raconte-moi un peu, ouais. Alors, l'histoire commence en 1959. Ouais. Donc, créée par Alec Isigonis. Exact. Alec Isigonis. Qui avait créé cette voiture en l'appelant ADO15 à la base. Mm-hmm. Drôle de nom pour cette voiture d'ailleurs. Ceci dit, donc après elle a été rebaptisée Mini, après avoir été sous le giron de Austin, de Innocenti aussi, Innocenti qui avait repris la licence, ouais, puis Maurice aussi également. Cette voiture, donc après 40 ans, elle s'est quand même vendue à plus de 5 millions d'exemplaires. Il y a eu plus de 60 déclinaisons de modèles en fait. Ouais, ça c'est énorme. Elle est apparue donc en 59 avec des roues de 10 pouces. Des roues de 10 pouces, alors que là on a des jantes de 17, c'est énorme. Ouais, on a quand même sent bien sur le confort d'ailleurs, parce que le moindre mégot de cigarette, on monte au plafond. Mais on va pas s'en plaindre, hein. Ceci dit, elle a gardé son tempérament de carte et ça c'est super. Ouais, c'est le côté positif. Hein. Ouais. Pas de confort, mais un tempérament de karting. C'est clair. Ça, c'est quelque part, je crois que c'est ce qu'on aime chez Mini. Hein. Donc à la base, elle est apparue qu'un moteur 4 cylindres. De 850 cm3, mm-hmm. qui faisait quand même 34 chevaux. 34 chevaux, ah ouais, énorme. énorme puissance, mais la voiture était tellement légère, c'est plus la Mini d'antan, et ça c'est certain. Ah ouais, c'est clair, d'ailleurs, c'est certains le regrettent. Moi je crois qu'il faut pas chercher non plus forcément à les comparer. Il y a des sources d'inspiration, c'est certain, mais voilà, c'est aussi maintenant deux voitures différentes. Quoi. Ah ouais, complètement. Surtout qu'elle a changé aussi de main, puisqu'elle est passée chez les Allemands quand même. Hein. C'est BMW qui gère tout ça derrière. Ouais, mais elle est quand même produite en Angleterre. Oui, bah, ils ont essayé de garder un minimum l'esprit, quoi. Parce que la voiture anglaise, ça, c'est quelque chose, ça a son charme, une voiture anglaise. Enfin, je te dis ça, effectivement, elle est, la voiture est assemblée à Oxford, mm-hmm. mais le moteur est fabriqué au Brésil. Ah oui. Original, quand même. Hein. D'où le sifflement du compresseur. Peut-être, ouais. Le moteur qui porte le nom de moteur Pentagone, je crois, si je me trompe pas. Ah, je sais pas, tiens. Ouais. Celui-là, ouais, moteur Pentagone. Et quand je pense mondialisation, tout ça, c'est surveillé par le Pentagone. Ouais, c'est pas mal. Big Brother is watching you. Ouais. Non, là ça va pas du tout, là on se barre complètement. C'est les féminises, hein. C'est euphorisant. C'est vrai qu'effectivement on sent, pourtant c'est quand même vachement noir à l'intérieur, tout est noir. Ça pourrait être triste, austère, ouais, ouais. Mais il y a des petites courbes, il y a des rondeurs, un petit côté jouet, quoi. Jouet qui fait que ça te donne le sourire, malgré tout. Je trouve vraiment que ça fait un bruit d'ancienne Mini. Hein. Ah ouais, complètement, on a le petit bruit qui chante. J'ai jamais trop su d'ailleurs ce que c'était sur les anciennes Mini. Parce que autant sur les voitures modernes, autant sur les voitures modernes, on sait qu'on a les pompes hydrauliques de direction qui chantent un peu, ou les transmissions. Ouais. Ouais. C'était effectivement, ouais, ça doit être un bruit de transmission qu'on avait sur l'ancienne Mini. Crois, on retrouve un peu le même là. C'est amusant. Alors en fait, ils ont travaillé le bruit à l'échappement, ils ont mis une sorte de silencieux, ils ont travaillé sur le bruit du silencieux central. Ouais. Et ils ont également retravaillé sur l'admission, sur le bruit de l'admission. On retrouve totalement l'esprit Mini, quoi. Jusque dans la couleur biton, la ceinture de caisse très droite, l'arrière coupé très droit. Le toit à l'équerre. Le toit à l'équerre, et puis les cerclages de feu chromés, choses comme ça. Chose que la Beetle s'est contentée de reprendre la forme de la coccinelle, mais on n'a pas le cerclage des feux en chrome, on ne retrouve pas la forme des feux à l'arrière. Je trouve que c'est pas assez abouti. Oui, et puis faut pas oublier que la Beetle, ce n'est qu'une Golf revisitée en fait. Exactement, c'est alors que là c'est une plateforme, alors que là c'est une plateforme complètement inédite pour cette voiture. Exactement. Effectivement, c'est surprenant parce que là on est dans la Mini Cooper S. C'est une erreur que BMW a fait d'ailleurs, c'est qu'ils nous l'ont vendue comme une vraie sportive, en l'appelant Cooper S, en nous faisant une communication sur une voiture très sportive. Ce qui a beaucoup déçu la presse automobile, effectivement, et puis ce qu'on ressent là aussi, c'est qu'effectivement on se demande un peu où sont les 165 chevaux, parce qu'ils sont placés très haut, donc ça répond beaucoup plus tard. Et on a plus l'effet d'accélération qui plaque, quoi. Effectivement, la voiture se réveille, mais bon, on a plus ce sentiment qu'il y a 130 chevaux, quoi. Il en manque 35. Mais ils sont passés, malheureusement, les pauvres, dans l'embonpoint de la voiture, dans l'électronique embarquée, et voilà. Quoi. Et ouais, une tonne 150, c'est le poids de la voiture. Les 163 chevaux, ils sont placés assez haut dans les tours. Ah, faut aller les chercher. Haut, ouais. Je suis au-dessus de 4000 tours. Donc en bas, c'est un petit peu creux. Mais d'ailleurs, on constate un peu la même chose sur la Cooper 115 chevaux et un petit peu sur la One également 90 chevaux, c'est dommage. Comme la voiture aussi a pris du poids, bah voilà. Ouais, forcément. Mais bon, elle reste sportive dans le comportement, dans le sens où elle est littéralement scotchée par terre. C'est un vrai karting. Alors aussi inconfortable, mais un vrai karting. Et puis ça, c'est marrant parce que là, on se surprend à prendre les virages sportivement. Apparemment, ils ont pas mal retravaillé sur le châssis, qu'ils ont appelé Sport Plus. Ouais, et pourtant déjà la One est déjà bien, bien ferme, quoi, en suspension. C'est déjà ferme. Donc mais ça aussi, ça fait partie de l'esprit Mini, le côté qu'on appelle tape-cul, quoi. Hein, même si on a gagné en confort par rapport à une Mini de base, une Mini d'origine.
pas, ça repart pas, on est en seconde, ça repart quand on a atteint les 4 tours. Ah, c'est vrai, ouais, ouais. C'est un petit peu long à se déclencher, ouais. On n'a pas le sentiment qu'il y a 163 chevaux sous le capot, quoi. Enfin, en tout cas, pas à bas régime. Pas à bas régime. Ah, en ville, c'est pas décent, quoi. Sinon, c'est des voitures, tu t'imagines qu'elle est bourrée d'électronique, effectivement. Oui. Bon, outre l'ABS, tu as également le répartiteur électronique de la force de freinage, EBD. N'est-ce pas? Tu as également un contrôle de freinage en courbe qui s'appelle CBC. N'est-ce pas? Tu as l'antipatinage ASC plus T. Il faut s'y retrouver parce qu'en plus, chaque fabricant a son abréviation, puisque c'est les abréviations qu'il dépose. Donc, c'est vrai que ça, pour le commun des mortels, déjà des fois, nous on s'y perd. Alors. Ah non, c'est clair que c'est pas facile. Et en plus, celle-là, elle a le contrôle dynamique de stabilité DSC. Exactement, ouais. Qui est déconnectable, j'espère, parce que pour la sportivité. Qui est déconnectable, ouais. Ah, là, on sent que on l'a senti d'ailleurs, hein, ouais. Le DSC s'est déclenché, on sent les mâchoires de frein qui agissent sur les roues, qui glissent. Le petit bruit de pivert caractéristique de l'électronique qui se déclenche. Bon, à la base, elle est quand même pas mal équipée en termes de sécurité parce qu'elle a quand même 4 airbags, bon, ce qui est un minimum maintenant quand même. Sinon, en termes d'entretien, ce qui est pas mal, c'est que la première révision est préconisée entre 16 000 et 20 000 km. Ouais, sur la façon dont on roule peut-être aussi. Ouais, voilà, bah, c'est en fonction de ça, ouais. Donc là, ce serait peut-être plutôt 16 000. Ah, avec une Cooper S, on va préconiser 16 000. Et après, c'est environ tous les 25 à 30 000 km, donc ouais, plutôt 25 000 aussi. Beaucoup plus espacé, ouais. Il y a eu d'énormes efforts de fait là-dessus. Ouais. Il n'empêche que une huile qui a 30 000 km, moi ça me fait un petit peu peur. Moi aussi, ça me fait toujours peur. Et c'est vrai que moi personnellement, pour ma voiture, j'irais faire la révision avant, quoi. Parce que c'est vrai que c'est. On se rend pas compte de ce qu'on demande à une huile, mais enfin, les montées en température et tout ça, c'est. Et surtout en ville, justement, les voitures chauffent pas mal. Ah, par contre, les bougies, tu peux les remplacer tous les 90 000 km. C'est pareil, c'est finalement énorme. C'est énorme, hein. Parce qu'une bougie. Une bougie ouais. Aussi, hein. Une bougie, ça peut griller un cylindre. Une bougie qui fonctionne mal, ça te donne une mauvaise combustion ou une post-combustion et ça te brûle un cylindre. Ça te le perce, à force. De bon coup, t'as des kilomètres. Hein. Je pense que tu peux quand même te rendre compte avant. De l'huile usagée, je sais pas si tu t'en rends vraiment compte. Bah, tu t'en rends compte pas forcément parce que le rendement de ton moteur baisse petit à petit, donc tu peux t'y habituer, tu t'en rends pas compte. Sinon, ouais, par rapport à la Cooper que t'avais essayé, donc l'actuel Mini Cooper. Oui. Le capot est plus haut de 4 cm. Sur celle-là, c'est obligé de rehausser pour le compresseur. Bah ouais. Amusant. Ouais. Et sais-tu ce que signifie le sigle S? S. Le Cooper S. Bah il y a quoi? Sport. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Non. Sport ou special? Mais là, il y a une grande polémique en fait. Ah bon? Personne ne sait si ça veut dire special ou sport. C'était pas plutôt special parce qu'à l'époque, effectivement, c'était par rapport aux courses, non? Il y a plusieurs, explications plausibles. Malheureusement, je n'aiderais pas à trancher. Ah, tu m'as dit special quand même au début, donc. Non, j'avais dit sport. Sport, non, putain. Mais avec un gros doute dans l'intonation. Mais bon, c'est. L'automobile à la base aussi, c'est bon, c'est du utilitaire, mais enfin, c'est aussi du plaisir la voiture. Hein. Je vais donner un petit peu des chiffres de performance si tu veux. Ouais. Elle parcourt le 1000 mètres départ arrêté en 28 secondes 4. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal, mais c'est loin des grosses sportives. Hein. Ah, mais tu sais par exemple que la Mini Cooper elle fait le 0 à 100 en 9 secondes 2. Et que celle-là, elle fait le 0 à 100 en 7 secondes 4, tu gagnes quand même presque 2 secondes. Ah bah oui, c'est sûr, mais bon, on passe de 115 à 163 chevaux quand même, heureusement. Ouais, ouais. Et puis une boîte 6 vitesses qui n'est pas étagée du tout de la même façon que la Cooper qui n'en a que 5, donc qui est forcément étagée plus longue. Bah, la boîte, grosse différence avec la Mini One ou une Mini Cooper, c'est que là, sur cette Cooper S, on a une boîte qui est beaucoup plus quadrillée, quoi, qui est typée un peu plus sport quand même. Hein. On voit bien ce qu'on fait, quoi. Alors que la commande d'une One ou d'une Cooper toute simple est beaucoup plus douce. Là, c'est bien ferme. Hein. Ah ouais, c'est du ferme et puis c'est belle grille en H, quoi. C'est sportif. Hein. Qu'est-ce que c'est ferme en suspension libre? Mais on a envie de jouer quand on est au volant d'une voiture c'est comme clair, ça. Ouais, on a envie de jouer, ça. Tu repasses un peu risqué, justement, c'est un peu une sorte de piège à permis quand même, tu vois, parce que t'as tout le temps envie de tirer dessus et t'atteins des vitesses. Ce genre de voiture, oui, mais encore, c'est pas la pire. Non, c'est pas la pire. Ouais. On en essaie des bien pires. L'impression de vitesse et de puissance est en fait augmentée par le fait qu'on soit assis au ras du sol et puis cet effet un petit peu karting quoi. Et tant mieux parce que comme ça on a des sensations en roulant pas vite. Ça c'est un point positif pour la sécurité routière. Exactement.
Hier, j'ai fait exactement l'inverse de toi. J'ai d'abord conduit la Mini et ensuite la Volvo. Ouais. Et finalement, la Volvo, tu as tendance à rouler plus vite avec la Volvo qu'avec la Mini parce que tu t'en rends beaucoup moins compte. Ça, c'est d'une évidence parce qu'elle est mieux insonorisée, c'est une routière, donc elle filtre tout, elle gobe toutes les sensations de la route. Alors que là, on est au ras du bitume, on a des bruits aérodynamiques, on a le bruit du moteur qui est très présent, donc on a à la limite, en roulant à 90, des sensations que... Ou avec la Volvo, on aura vraiment l'impression de se traîner. Quoi. C'est toujours le problème, c'est ce sentiment de confort qui accroît aussi le sentiment de sécurité. Quoi. Tu penses que les voitures aujourd'hui sont devenues trop aseptisées, que les gens se rendent plus vraiment compte de ce qu'ils font au volant ou pas? Que le fait qu'il y ait par exemple des ABS, des ESP et autres aides électroniques à la conduite, est-ce que tu penses que les gens, ça les déresponsabilise un petit peu? Moi je pense pas, je pense le problème pour moi n'est pas là, parce que ça c'est des choses qui sont indispensables et pourquoi pas en profiter puisqu'on est capable de les faire aujourd'hui. Ça peut nous sauver bien des fois sur des situations. Le problème c'est qu'on n'apprend pas aux gens à conduire correctement, on n'apprend pas aux gens à maîtriser, à être maître de leur véhicule. Aujourd'hui le permis de conduire, on n'apprend pas à quelqu'un à faire un freinage d'urgence, on n'apprend pas à quelqu'un à faire un évitement. Aujourd'hui quelqu'un part avec son papier rose pour conduire, la seule chose qu'il sait faire c'est respecter le code de la route, c'est s'arrêter au stop, s'arrêter au feu rouge. Et encore justement, tout le monde ne le fait pas. Le SP, de toute façon, il rattrape, mais dans une certaine limite. Hein. Il va peut-être rattraper un petit excès de confiance, mais il ne va pas rattraper une voiture qui part en dérive complète, ce sera trop tard. Hein. Donc ça ne change rien, il faut rester vigilant et il faudrait surtout savoir être maître de son véhicule. Ouais. Même à 30 km/h, quelqu'un peut vous traverser sous le nez. Si on ne sait pas faire un freinage d'urgence et qu'on n'a pas l'ABS, on bloque les quatre roues et une voiture avec les roues bloquées, finalement, elle ne freine pas, elle accélère. Elle va plus vite, la distance de freinage se rallonge et voilà. Oui, mais par contre, faut pas que les gens fassent amalgame de se dire que l'ABS, ça réduit les distances de freinage. Non, c'est absolument pas le cas. L'ABS va simplement aider le freinage d'urgence, va aider la personne justement à ne pas bloquer ses roues. C'est tout ce que ça va faire. Ce matin, on parlait des enfants pas attachés. Ouais, voilà. Ben voilà un bon exemple. Et ça c'est effrayant. Incroyable. C'est vrai que c'est hallucinant, ils ont beau faire des campagnes de communication incroyables, les gens continuent à ne pas attacher leur enfant à l'arrière. Quoi. C'est quand même malheureux. C'est aberrant. Mais les gens ne se rendent pas compte, il y a encore surtout l'idée de que ça n'arrive qu'aux autres. Quoi. Là, on arrive en ville, donc forcément, on ne parle plus de sportivité. Là. Et pour une consommation moyenne de 8,4 au 100. Ouais, là, on est bien loin des 7 litres mixtes de la S60D5, n'est-ce pas ? Ça reste un petit gabarit, ouais. C'est ça qui est agréable. En ville, c'est quand même idéal. Pas autant qu'une Smart. Pas autant qu'une Smart, c'est sûr. Dès qu'on parle de sportivité, forcément, les consommations montent un petit peu. C'est inévitable. En tout cas, jusqu'ici, c'est quand même la seule voiture que j'ai essayée. Quand on avait fait l'essai en Italie, avec la voiture en des plaques allemandes. C'est la seule voiture où, quand je me suis arrêté sur une place en Italie pour aller m'acheter, j'avais une petite fringale dans une boulangerie, m'acheter un truc à manger, les gens sont venus me voir pour me féliciter pour ma voiture. Quoi. C'est génial même, ça. C'est génial, cette voiture elle a une cote incroyable. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, l'Avantime, des choses comme ça où les gens se retournent, mais celle-ci elle donne le sourire aux gens, ça se voit. Tu vois la ligne de la Mini, tu te dis quand même quelle allure. C'est une voiture de parade un peu, hein. Ça c'est vrai qu'il faut pas se le cacher, hein. Faut pas se leurrer. Bon, mais monsieur Maillard, je pense que là nous arrivons au terme de notre journée d'essai. Hein. C'était un plaisir. Ah bah, tout le plaisir était pour moi. C'était un grand plaisir, vous m'avez gâté, monseigneur. Une Volvo D5 et une Cooper S, là je ne demandais pas tant dans la même journée. Pour la ville, et puis pour s'amuser, et puis pour le côté sportif, et puis le côté cœur, c'est sûr que la Mini me fait craquer complètement, ça. Mais ça n'enlève rien aux qualités routières et aux qualités de confort et d'agrément de conduite de la Volvo. Et voilà. Et bah, c'était vraiment super en tout cas. On va l'abandonner avec regret. Ouais, ouais. Mathieu, merci beaucoup. Écoute, non, mais écoute, c'est moi vraiment. C'était vraiment un plaisir. En plus, je te laisse juste devant chez toi. Voilà. Hein. Donc, grande maison. J'ai les clés de la voiture, j'ai déjà la maison. Donc, ouais, hein, je pense que t'as quand même les moyens de t'en payer. Ouais, j'ai les moyens de m'en payer deux, trois pour aller faire les courses du dimanche. Eh ben, c'est super. Allez, bonne soirée. Ciao, merci, à bientôt. Ciao. Salut.